Allez, salut à tous. Ce soir, bienvenue sur le live, bien évidemment. Hein? Ce soir, on part sur The Messenger. On est arrivé vachement loin dans le jeu. Vachement loin. On avait passé énormément de temps dessus. Et à l'extrémité occidentale du monde agonisant se trouve un petit village isolé. Non, on avait passé beaucoup de temps dessus. J'aime beaucoup le jeu. Je surkiffe Devolver Digital. Et c'est pour cela que nous allons continuer ce soir. Cinquième partie The Messenger. Vidéo qui fera sûrement 3 vues. Mais le jeu est là. Il est là. Il est dans mon cœur. Allez, c'est parti. Je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Non, je me trompe pas. Ok. Donc ça, ça, ça. Petite vérification là. Ah oui, il fallait descendre. Non, j'ai pas besoin de payer. J'ai pas besoin de payer, je sais où est-ce qu'il faut aller. Il faut se rendre aux catacombes. Et les catacombes. Voilà, les catacombes, les catacombes, les catacombes, les catacombes. On ne s'y rend pas par là. Il faut aller au temple de la mélancolie. Les temples de la mélancolie. Temple de la mélancolie, tu descends direct en bas. Et pour cela, il faut sortir des collines automnales. Donc c'est parti, go. Allez, let's go. Mettre un moment à me refaire au jeu, j'imagine. J'avais oublié à quel point la musique... La musique était bonne. Comme dit Goldman. Putain, j'abuse. Je me fais toucher, mais pour rien. Faut que je reprenne l'habitude du jeu là. Dedans. Ah, je teste moins de choses, mais c'est bien parce que pour une fois, je vais pouvoir économiser un peu les cristaux. Parce qu'en général, je gaspille toujours pour les conseils. Aïe. Ça se voit que j'ai pas joué depuis quelques jours, je suis un peu... j'ai un peu à la ramasse sur le jeu, quoi. Putain. Cette petite esquive... Dégâts de merde que je prends. Qu'est-ce qu'il est joli le jeu, c'est abusé quoi. Sorti de la forêt. Donc là, on va se laisser tomber et direction catacombe. Ah, il m'en manque un. Il nous manque toujours Pyro, je suis vraiment inquiet. Ce rythme, le pont ne sera pas réparable en 500 ans. On va y aller. On y va, mon petit, t'inquiète pas. Go catacombe. Ah. Normalement, voilà. Nous y sommes.
Les catacombes, faut aller en bas. Aïe! Tellement de trucs que j'oublie. Ce bande-son de ouf, quoi. Oh yes! Bien fait de passer par là. Continue tout droit. Ninja. Ah. Là, je me prends pas de dégâts si je meurs de suite, quoi. Si on peut pas, c'est pas un truc à faire par là. Là, bon, y a rien, dommage. Je me suis dit peut-être que j'aurais pu penser. Aïe. Par les pics que... Ça, j'en ai besoin ou j'en ai pas besoin? Ouais, faut que j'y passe, je crois. Mais je peux pas... Si, je peux passer. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Allez, vas-y, viens, toi. Voilà. Voilà, on y est. Alors, est-ce que je peux utiliser la bougie? Si vous pénétrez dans un endroit totalement obscur, vous aidera à avoir un minimum. Ah ben, en fait, ouais, elle m'aide déjà à avoir un minimum. Oh! Vas-y! Non, sincèrement, quoi. Ça, par contre, c'est totalement de l'abus, quoi. D'accord. Ah, la loose. Oh, ça va être chaud. Oh,
Ouah, c'est chaud. Oh putain. Putain, bande son, excellent. Ok. Putain, j'aime pas avancer à l'aveugle comme ça. Faut avoir un temps de réaction, mais... Ah, merde. Quelque chose qui va pas. C'est galère. C'est super galère. Ah, yes. Super beau comme endroit. Oh, le piège. Ok. Ah yes, le téléporteur, super. D'accord, je me suis dit peut-être si on passe au-dessus, non, on pourra pas. Ok. De justesse. Putain, j'ai eu du cul. J'ai eu grave du cul. Oh. C'est rigolo, ça. Ça me rappelle un jeu, je saurais pas dire lequel. Mais ça me rappelle un jeu, bordel. Tu tournes en rond comme ça, là, dans les boules. Ah, putain, c'est quel jeu qui fait ça, déjà? Ah, ça me rappelle trop un truc. C'est sûr, j'ai déjà vu dans un jeu... Se mettre en boule comme ça là et te faire jeter hein. Putain, c'est excellent quoi. Ah merde, t'es obligé de... Ah ben voilà, maintenant qu'on a détruit le mur on peut passer, je suis con. D'accord. Ah, d'accord, ok. Et ouais, parce qu'en fait, tu changes d'époque à chaque fois. J'avais complètement oublié ce détail. Donc là, on est dans le passé. Et après, on est dans le futur. Pour l'instant, on n'est pas dégueu, ça va. Ça se passe bien. Hop. Nickel. Et ouais, celle-là, il fallait que je m'y attende. Ah, j'ai voulu aller trop vite. Putain, 109 fois, je suis mort. Abusé, quoi. Ah, vas-y, bouffe-moi tout, abruti. Ouais, je suis passé juste, hein.
Ça, c'est super sympa, ça. Très bien trouvé. Ok, tranquille, calme. Yes. Oh putain, ça va être chaud. Attends, faut calculer son coup. Et mon vieux. Putain, c'est super dur. C'est juste. C'était pas pixel près là. Putain, merde, j'ai raté la potion, fait chier. Oh non! J'étais persuadé qu'il allait s'accrocher au mur. Pas sérieux, quoi. Ah, enculerie, quoi. Ça aussi, ça me rappelle un jeu où il fallait taper dessus pour les changer de direction. Je sais plus c'est quel jeu, bordel. Faudrait que je sache. Ça me rend fou de pas savoir. Ah, j'ai bien fait de les toucher. Yes. Ça va me revenir, c'était long. Putain, si quelqu'un voit cette vidéo, qui me le marque en commentaire, quoi. Parce que...
Alors, ça, ça va en haut. Ça, ça va comme ça. Ça, ça frappe là. Ça, ça va là-bas. D'accord. Ah, putain, t'es sérieux? Ouais, on est bon. Putain, la merde. Ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Peut-être changer le... Peut-être changer le truc. Ah bah oui, je suis con. Oh là là. Putain, la blague. Ça comme ça, là ça frappe là-bas, ça frappe là-bas. Là ça frappe en haut. Tranquille. Est-ce qu'il faut grimper encore plus haut? J'y arriverai pas. Allez, il va falloir en faire en plusieurs fois. J'aime bien les petites énigmes comme ça là, c'est rigolo. Non, non. Eh oui. Fais chier. Just.
peut-être faire ça comme ça. Hop. Ah non, non. Ok, j'ai compris. Faut frapper la fleur, sinon ça va être la merde. Voilà. OMG, OMG, OMG. Comment tu vas, mec? Ça va? Bien rentré et tout? Tranquille. Allez, hop. Tu vas voir comme tu vas en chier ta race après, quoi. I'm back. Bien sûr que tu es de retour. Le fils prodige est de retour. Oh mon dieu. Bienvenue dans la forêt sacrée, messager. Oh, qui êtes-vous? Je suis la matriarche papillon, la beauté incarnée. Approche, j'ai un présent pour toi. Putain, la musique est super forte, on dirait. Hé, listen. Prends garde, ne te fie pas à l'apparence de la matriarche. Oh, la Navy, quoi, mais... Bah, Aya, en fait, c'est une grosse chauve-souris. Je spoil. Elle est possédée par un monstre d'une lender indicible. Tu dois la libérer de ce mal. Mort de ma vue, minuscule créature. C'est parti, ça va chier. Je disais, approche, messager. Et meurs. Oh, tain. Jumpscare. Allez, ça part de là, quoi. D'accord, je peux pas frapper. Ok, je crois que je vois ce que c'est. Waouh. Oh, ce boss, quoi. Ouais, tu es en train de te spoiler, en fait. Waouh, ça va être chaud. Aïe. Ah. Putain, c'est chaud, ça. Non. C'est dur. Là, c'est dur. Ah, c'était pas easy du tout, là. C'est un truc qui te fait devenir épileptique. Elle déchire la musique. Ah, ça va être bouillant là. Faut pas que je me fasse choper par ces tirs. Voilà, par ça là. Ça, si ça me touche, je suis mort. Ah, la salope! Merde. Ça va, on est bien. Yes. Allez, on y croit. C'était dans quel jeu, ça, mec? Que tu étais en boule comme ça et tu te projetais comme ça sur des surfaces que tu pouvais changer à volonté. Essayer de pas se faire toucher. Non. Oh, putain. C'était Sonic, tête de nœud. Exact. C'est vrai. Non, mais il y avait un autre jeu où en fait tu filais des coups sur la zone à faire tourner et tu pouvais les changer. Et après tu te mettais en boule comme ça. Je sais plus c'est quel jeu. Mais effectivement, ouais, je pense que c'est Sonic premier à avoir fait, quoi. T'as un autre jeu comme ça, je sais plus qui c'est. Ah, oh, putain, je suis
dégoûté d'être mort. Je pense qu'en plus, à tous les coups, j'étais à la fin. Ça me fait halluciner comme il joue à chaque fois avec le décor. Fais attention à ce qu'elle m'en retire pas dessus encore. Yes. Ouais, je suis obligé d'attendre pour le taper. Il faut qu'il fasse sa poudre de perles pimpin pour que j'arrive à le... Non! Ouf! J'ai du cul, hein. Comment ça va? J'ai pas pris de dégâts plus que ça. Y'a rien du tout, là. Ça va. Ah ouais, le jeu est une tuerie. Surtout l'OST, mec. C'est monumental. Non! Putain! Ah, ça m'énerve! Oh, comme ça me fait rager, quoi! Putain, c'est ces deux petites plateformes de merde, là! Ah! Ah, putain! Et ouais, mais c'est son rayon de merde, là, qui te confond. C'est ultrasonique, là. Voilà, t'es obligé d'attendre sa poudre. Pour qu'il fasse les plateformes, tu grimpes dessus et en avant quoi. Je suis sûr que c'est une gonzesse pour me casser les couilles comme ça, c'est exactement ça. Tout à fait ça, je pense. Allez, 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 allez. Putain, ça m'a grave gavé quoi, le boss est chaud quoi. Tes ultras. Voilà. Allez, on voit le pont. Oh le con! Mais tellement dur là. Faire des petits jumps. Non. Ah, c'est en train de me gonfler. Putain quoi. Ah c'est ouf. C'est ouf. J'essaye d'être vigilant un maximum, mais... Ouais, je vais bien finir par y arriver. En tout cas, les couleurs du jeu, mais laisse tomber, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, allez, go. Franchement, les deux étapes, ça va, elles sont fastoches. C'est vraiment la troisième qui est... Mais je suis sûr qu'en plus, c'est la dernière. À moins qu'il y en a encore une après. Mais ouais, il est ingénieux. Il tente des choses avec le jeu. C'est ça qui est bon, quoi. C'est ce que j'expliquais encore tout à l'heure. Devolver Digital, c'est comme Hideo Kojima, quoi. Ça, putain, ça tente... Ça tente vraiment beaucoup de choses, quoi. C'est ça qui est cool. Encore, non, t'es sérieux, là. Voilà. Ah, bordel. Ouais,
complet, le parti pris pour les décors est totalement ouf, on est bien d'accord. Donc bon, allez, concentration, c'est là que ça va se gâter. Non ! Mais... Ah ! Putain, j'y crois pas. J'y crois pas. J'ai inversé les... Je me suis inversé dans les commandes, parce que je m'attendais pas à ce que... À ce que la confusion s'arrête. Je m'attendais pas à ce que la confusion s'arrête aussi vite. Donc j'avais prévu d'aller à gauche, enfin mon cerveau avait prévu d'aller à droite, et moi je suis allé à gauche, tu vois. C'est le problème. Ah, je vais craquer. Je vais craquer, bordel. J'en ai trop marre de cette chauve-souris, quoi. Eh merde. Eh ben, 100 ans plus tard. Ah, comme je le rate pour rien, quoi. Allez, on y croit. On y croit cette fois-ci. Pas de confusion, s'il te plaît, pas de confusion. Eh merde! Non! Non! Putain, j'en peux plus. Ah, fou. Putain, je veux crever. Ah. Putain, j'en peux plus. Ah, j'ai les nerfs qui lâchent, quoi. Putain, ça me casse les burnes. Paix et sérénité. Tout ce qui t'entoure n'est que calme et sérénité. Putain, j'en peux plus, quoi. Ah, complet, tu verras. Tu verras. En soi, il est pas dur, mais c'est le sort de confusion qui est violent, quoi, en fait. Et en plus, il a vraiment une grosse portée, tu vois. Donc, c'est très, très, très abusé. Ah, j'allais dire, il le fait plus, hein. Aïe. C'est bon, je suis plus. Allez. Yes. Et on est reparti. Et en plus la musique à force, quoi. J'en peux plus aussi. En plus, elle clignote bien, elle est belle. Elle est belle quand elle clignote comme ça. Yes! Allez, on y croit là. En espérant qu'il n'y ait pas un coup de pute dans le...
What? Yes! GG. Quel bonheur! Enfin libre! Merci. Cela fait longtemps que... Trop longtemps, j'ai commis une erreur. Je pensais que la beauté pourrait tout sauver. Merci de m'avoir libéré de l'emprise de cette infâme créature, mais sachez. C'est une sorte de leçon sur les apparences, qui peuvent être trompeuses et auxquelles on ne doit jamais se fier. Absolument, tu m'ôtes les mots de la bouche. Ils sont trop forts. Ah, mais tu le sais, tu les connais les imitations à force. Enfin, si l'on peut parler de bouche pour un papillon. Quoi qu'il en soit, tu as été d'un grand secours. Permets que l'une de mes lucioles t'accompagne dans ton périple. Je suis sûr qu'elle se montrera utile dans les pires moments. Ah, trop bien. Assez puissante pour lever une malédiction mineure, elle peut aussi vous aider contre les forces du mal. Cool. Tu me rappelles tant la moine qui avait sauvé autrefois. Qui m'avait sauvé autrefois, voilà. Je me demande ce qu'elle est devenue. Adieu, messager. Adieu, 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 adieu. Et là, tu tombes dans l'eau et tu meurs, comme une grosse merde. Oui, oui, c'est un gros clin d'œil à Navy, ouais, clairement. Clairement. Je viens de la buter, la moine. Ah bon? Ah oui, c'est vrai que tu la butes, tu vois, elle était complètement sortie de la tête. Bon, bah direction... le boutiquier. Rivière turquoise. Ah d'accord, en fait, vu qu'on voit les deux côtés du passé et du futur, en fait, la matriarche nous a aidés. Mais c'est la chauve-souris, en bref, qui voulait nous détruire. C'est pas mal. C'est bien de le repréciser. Attendez. Donc, puisque je vois la forêt carbonisée dans mon présent, non, et la version régénérée dans le futur, n'essaye pas de comprendre. Ça voudrait dire qu'il y a eu un messager entre mes deux airs. Ah, spoil, attention. Paradoxe temporel ou faille dans le scénario. À toi de décider. Pourquoi tout gâcher? Je veux pas simplement apprécier le contraste. Excellent. Genre, tu veux pas fermer ta gueule, quoi? Pas mal. Ah, yes, améliorer les défenses. J'achète. Eh, il m'en reste plus qu'une, hein. 2000 ans. Bon, ben parfait. Et il me reste deux notes, trois notes de musique. Il me reste. J'aime pas les glandes. Où la chaleur fait fondre la roche chez les aventuriers. Une note magique attend celui qui est assez doué pour traverser le chaos incarné. Parfait, allons chercher le boutiquier directement. Attends, j'ai pas assez par contre. J'ai pas assez, il va falloir que je. Merde. Il va falloir que j'aille farmer 300. On devrait... peut-être pas là, attends. Je vais aller ailleurs. Et ça va, tu t'en sors toi sinon au jeu? Tu galères pas trop? Un endroit où il y a beaucoup de sous. Après, ça se fait au fur et à mesure, sincèrement, il est pas si dur, hein, sincèrement. C'est plein de Dark Souls, quoi, mais... Cette musique, elle est géniale. Enfin, quasiment toute, en fait, quoi. Voire même la totalité, c'est pas...
Je sais pas qui c'est qui l'a fait l'OST, faudrait que je regarde. Là, il me reste pas beaucoup, 297. Ouais, j'ai juste à faire ça, remonter, et on va voir le boutiquier. Bas-monde infernal. Ok, je vois pas où c'est. On va bien trouver. Ah d'accord, sous les plateaux torrides. Oh, putain, et les plateaux torrides, pour les atteindre, il faut passer par le pic glacial aussi. Oh putain. À moins que je passe par les champs piquants. C'est loin ou pas là? Je sais même pas par où on passe. Ah, ça doit être ça. À mon avis, il doit falloir descendre jusqu'en bas. Bas-monde infernal, je connais pas du tout. Je suis jamais allé là-bas. À mon avis, il doit falloir passer par là. Bon, bah super. Direction pic glacial. Parti. Et le jeu est super long, traître. Je m'attendais vraiment à le terminer vite. Et c'est pas du tout le cas. Là, c'est une de mes zones préférées aussi, quoi. Je commence à la connaître par cœur à force de la farmer, quoi. Et si on passait par là? Non, on pourra pas. Maximum de cristaux aussi. Après, on s'approche de la fin du jeu quand même là, je pense. Ah, ce passage, à chaque fois je crève, chaque fois. Pourquoi j'utilise pas le grappin comme un gros con? À la place de sauter et d'utiliser le grappin tout simplement. Je sais pas pourquoi je le fais pas. Je viens d'y penser que maintenant. Je suis mort 20 milliards de fois ici et voilà. Je peux pas faire juste ça. Sérieux quoi. Je choisis toujours des solutions compliquées, moi. C'est stupide. J'aime bien les passages comme ça, là où t'as rien à faire, t'as juste à sauter.
qu'est-ce qui t'est arrivé? Salut l'ami, c'est une histoire longue et un peu embarrassante. Les cieux élémentaires sont en danger, j'ai besoin de ton aide. Les cieux élémentaires? Oui, ils régulent le climat de notre petit monde. Il faut régler le problème rapidement. C'est beaucoup plus grave que la malédiction des voyants. Bon, je vais te sortir de là. Je bouge pas d'ici. Ah ouais, là, effectivement, c'est... Et on pourra pas faire ça. Ah, tristesse. Et si je... Si je... Y'a pas de zone temporelle? Si, y'en a une là, je crois. Y'en a une juste là. Si je ne dis... When the berries. Ah, y'a Taras. Voilà, si on se sert d'une zone temporelle pour aller là-bas... On va voir si ça ferme le trajet ou pas, normalement non. Mais on est pas mal. Ah, mais on pourra quand même pas y accéder. Et au final, c'est comme s'il y avait rien. Tristesse. C'est peut-être pour plus tard. Je vois ça, j'ai vu que tu t'es marié. Alors, je sais pas à quel moment tu l'as dit, mais... Ah, tu vois, j'étais trop concentré sur le jeu, du coup j'ai pas eu le temps de lire ce que t'as écrit. Alors là, j'y arriverai jamais à aller là-bas. C'est pas possible. Bon, je reviens plus tard. Je reviens te chercher plus tard. À mon avis, je pense que le pouvoir, on l'aura après, quoi. Quand on sera descendu tout en bas, là. Aïe. Aïe, deux fois. Ça va. Ah, quand tu as dit je me complique la vie, d'accord. Ah mais oui, c'est comme ça. C'est comme ça. T'inquiète, je sais que tu étais là. Putain. Ah putain, j'y crois pas, téléphone. C'est mort, je réponds pas maintenant. Je réponds pas quand je suis en live. Si je me marie, tu viens? Ben encore heureux que je viens. Pourquoi je viendrai pas? T'es malade ou quoi? Ça nous ferait une raison de plus de se torcher la gueule. Tu plaisantes ou quoi? Bien sûr, je serai là. Allez, jure, tu fais ta demande maintenant, quoi. Ah, le fou. Allez, est-ce que tu veux m'épouser? Comme ça, on pourra faire une fête et se torcher la gueule. Non, non, il faut que tu la filmes. Filme-la. Que je la voie, la demande. Je veux la voir, moi. Alors là, par contre, ça va être super compliqué parce que. Comment je suis censé. Putain, tu vas voir qu'il va falloir remonter. Il va falloir remonter tout en haut. À moins est-ce qu'il y a un autre truc pour passer, mais. Je suis con. Ah ben ma foi quand même. Tu peux. Faut que ça se fasse. Il le faut, mec, il le faut. Et après c'est moi qui viendrai, qui ferai 10 heures de route pour venir te voir et t'apporter les 666. Jure, je le fais, quoi. Je te jure que si tu te maries, je le fais, quoi. Ma parole.
nous achètent des 666, c'est moi qui viens. Non, d'ailleurs, je l'ai pas encore bu, tu fais bien de m'y faire penser. Là, je t'avouerai que ces derniers jours, je carburais qu'à la bière, au vin et ces conneries. Là, je profite d'avoir un peu d'eau, quoi. Boah, boah. Alors, tac. Non, ouais, ces derniers jours, j'ai un peu lâché. Mais ouais, effectivement, je... On l'avait pas ouverte, la deuxième? Non, on l'avait gardée, hein. Regardez. J'étais persuadé qu'on l'avait ouverte, tu vois. Ouais, une seule, ouais. Bien d'accord. Je suis persuadé du contraire, je sais pas pourquoi. Oui, trop bien. Aïe. Ouais. Ça, bah ça marche, t'inquiète. Ah ben voilà où on n'était pas descendu encore. Voilà. Bon là j'ai le choix. Yes. Putain, on aurait pu commencer par là sans déconner. Hein. Où on va, mais on y va. On y va bien. Ah, changement de zone. D'accord, marée des champs piquants. Bon, on va essayer de voir où ça nous emmène. Est-ce qu'il y a un petit raccourci ou quoi? Peut-être dans la zone. De toute façon, je sais où retourner si jamais il arrive quelque chose. Endroit bizarre, maison. D'accord. D'accord, on est revenu. On est revenu jusque là. Ouais, je crois que si tu passes après, ça ferme le passage. Si je dis pas de bêtises. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est pas par là qu'il faut aller. Je pense que je suis parti vraiment du côté où il fallait pas, mais c'est pas grave. Au moins on explore. Non, j'aurais dû passer tout à droite. Quand j'ai eu l'intersection, j'aurais dû passer tout à droite. C'est énorme dans le casque. Tu vas avoir un son de ouf toi en plus. Où on est là? Ah tiens, apparemment il y a une map que j'ai pas vue aussi dans la grotte de Hurlevent. La grotte de Hurlevent. Tu sens les mecs de l'Alliance qui ont fait ce jeu quoi? Est-ce que tu sens les claques qui se perdent? Ah bah attends, je suis en train de me tromper là. Ok, bon on va revenir en arrière. En fait c'était juste un raccourci hein. On va revenir en arrière. Ah ouais, dans le casque, ça doit être super, quoi. Voilà, génial. Hop. Voilà, à place d'aller à gauche, j'aurais dû aller à droite direct. Oula. Ah, le pauvre, il est bloqué. Putain, en plus c'est le seul qui me manque hein, pour reconstruire le pont. Waouh. Comment faire? Ah, il me manque un pouvoir là. Ah, il me manque clairement un pouvoir. Il faut que je voie le boutiquier ou... Euh...
un truc qui va pas, je vais voir le boutiquier. En général, quand il est bloqué comme ça, il vaut mieux aller le voir à lui et dire ouais, j'ai un problème. En soit, il va me donner un pouvoir ou un truc comme ça. Ouais, mais ça, je sais que tu me l'as déjà indiqué, mais. Ouais, ça marche. Ouais, y'a rien de plus là. Y'a rien de plus du tout. Un pouvoir que j'aurais pas débloqué. Ou alors il doit peut-être falloir que... Je sais pas du tout, on va essayer de remonter en haut. Ah là ça marchera pas. Je suis obligé de faire ça pour pouvoir descendre. Donc c'est là-bas. Je passerai jamais là, c'est pas possible. Bon, je vais sûrement mourir, mais bon. Ah, c'était prévu. C'est pas possible, il me faut un objet ou quoi là. En plus, quand tu fais ça, ça ferme tout, non? Eh ouais. Si je fais ça, ça va être fermé. Donc c'est pas logique. Là, ça... Non, là, y a un truc qui va pas, là. Ah, mais je suis con, je peux courir sur l'eau. J'ai complètement oublié. Putain, quel abruti. Je sais plus comment on fait. Comment je cours sur l'eau, déjà? Je crois que c'est les deux. Attends, faut que je sois sûr, là, parce que c'est de la lave, c'est pas de l'eau, quoi. Caper les... Emblème de la lune. Putain, comment je marche sur l'eau? Voilà, RT pour courir sur une surface liquide. Voilà. Oh putain, je suis trop con, mais. Ouais, je les ai tous. Parfait, lui il rentre au bercail, très bien. Ça c'est classe, courir sur la lave comme ça. Oh, les statues de démons et tout, énorme. Putain, ça passe un poil de cupré, c'est abusé quoi. Allez, nouvelle musique. Ouf. Putain, ça pue là. Là, ça pue un peu du cul. Oh non, pas d'histoire, s'il te plaît, c'est bon. Stop les histoires.
Mais qui est con. D'accord. Avoir les yeux partout. Ouah, putain, ce cul que j'ai eu là. C'est passé De quoi ? J'ai fini la deuxième extension. Ah ouais, ça y est ? Putain, il était temps quoi. Voilà, maintenant tu peux désinstaller Guild Wars et acheter WoW. Toutes mes félicitations. L'aventure n'a fait que commencer. De l'enfer quoi, mais il y a des ennemis quoi. Aïe. Oh non. Non. Yo Christopher, ça va depuis tout à l'heure? Je sais pas par où il faut que j'aille en fait. Ouais, par là, j'imagine. Alors, ça va depuis tout à l'heure? T'as un peu joué? Aussi content quand je vais sur le stream. Ah, ça va alors. C'est le but. C'est le but, c'est le but. Par où je passe? Ah oui, par là. Oui. T'as raté, Mati. T'es allé aux chiottes. Aïe, merci. C'est passé. Parfait. Petite sauvegarde. Qu'est con. Alors ne me dis pas que je suis cheaté. Hein. C'est normal que je puisse courir sur la lave. Tu es ninja. Alors tu t'es arrêté de jouer à Mario Kart? Car t'as les tarichés. Pourquoi tu joues en grosse difficulté ou... Ah, t'étais déjà sur le stream depuis le début, d'accord. Ah mais tu vois, tu me l'avais caché, hein, petit malin. T'étais en invisible. Tu faisais le ninja toi aussi. Ah, y'a des trucs, c'est chaud, je te le dis mon pote. C'est violent. Ah, j'ai passé par là. Heureux, moins 10 kilos. Putain, j'avoue. Chier, c'est la vie. Allez hop. Putain, t'as raté, mec. Je cours sur la lave et tout, c'est la folie. Tu verras toi aussi, tu l'auras ce pouvoir après. Regarde. Oui, je cours sur la lave. Alors là. Voilà, je me disais bien, il y a un truc à prendre. Tiens, regarde, je te fais une démonstration en live. Voilà. Ne sois pas si étonné de mes pouvoirs. Ce n'est rien.
Oui, léger. Je suis léger. Oh putain. Allez, Balek. Je l'ai fait à la speedrunner là, c'était trop beau quoi. Aïe. Alors là, je sais pas où est-ce que je dois aller. Pas par là, apparemment. Fallait descendre en bas, non? Ah non, c'est bien par là qu'il faut que j'aille. Il y a pas d'endroit pour ça. Moi, est-ce que je rate quelque chose que tout est fermé? C'est bizarre. Très bizarre ça. D'accord, je comprends mieux. Ah, vite, 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 vite. Aïe, aïe, aïe. J'ai chaud au cul. Pshhh, le cul qui brûle. Oh putain, dis-moi que ça remonte quoi. Aïe aïe aïe. Ah, ça va être tendu, mais tendu du slip à bloc. Aïe, je vais mourir, je vais mourir. Ah, attends. Putain, faut que je fasse super gaffe là. Putain, c'est violent, je sais pas où est-ce qu'il faut aller, ce qu'il faut faire à chaque fois, mais. Bon, ça, check. Déjà passé par là tout à l'heure en plus. Il me semble. Si, je suis passé par là tout à l'heure. D'accord. Pas grave, c'est pas grave. Ah, c'est pas ce qui me semblait. J'ai raté quelque chose. Aussi, je suis passé, c'est stupide. Hein. D'accord, donc là, ça sert à rien que je passe par là. Il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'il y a un jeu... Putain, avec vos conneries, là. Est-ce qu'il y a un endroit que j'aurais pas vu sur la map? Ah putain, il me casse les couilles. Hein. Parce que là, normalement, je suis censé descendre tout en bas. Mais il n'y a pas de... Je vois pas comment je peux faire. Ben non, mais le truc est, ce que vous parlez de jeu. Et c'est pour ça quoi, sur le coup j'ai dit jeu, mais
Parce que là, je cherche ma route, j'arrive pas à la trouver. Ça me rend fou. C'est pas par là qu'il faut passer. Oh, l'enfoiré! Quel salopard, quoi! Ah, voilà, à cause de toi, je suis perdu, quoi! Voilà. Bah, écoutez, discutez entre eux, moi je m'en fous, hein! Ça, franchement, allez-y, hein! Allez-y! Ça, c'est pas un souci, hein. Pas un souci! Du moment où vous êtes là, moi ça me va, hein. Alors. Mais par contre, après, si je vous lis pas, pas de souci! Ah non, mais t'as le droit d'être hors sujet, hein! À côté de la plaque là, mais bon. Ah mais très bien, très bien, très bien, merci, c'est gentil. Oh, je vais pleurer. Peut-être de l'autre côté, ouais. Rah. Là, j'avoue que c'est pas évident. J'arrive à trouver la suite du chemin. Comme ça me dit, tu vas chialer. J'ai pas chialé, je me suis retenu de chialer. J'étais pas trop loin, mais... j'ai failli, mais j'ai pas chialé, je suis resté fort. Attends. C'est l'émotion, c'est normal. C'est normal. Samedi, c'est passé quoi? Samedi, on a fait la piñata, on a fait samedi. On a fait journée burritos, on a fait. Jure t'as chialé toi. Genre t'es une meuf. Genre t'as chialé toi. Hey, il doit dire espèce d'enculé. Ah, ah. Vas-y, regarde-moi cet enfoiré comme il me traite. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, je suis mort. Ah, j'ai compris. Ouais, ça va. Il n'y avait pas assez de bière. Putain, j'avoue. Mais dis-toi que soi-disant, ce que t'as bu, c'était de la bière ambrée, quoi. On s'est fait avoir. Les mecs, ils nous ont vendu de la bière ambrée alors que ça en était absolument pas, quoi. Et soit dit en passant, ils nous ont fait payer de la bière. Enfin voilà, ils nous ont fait payer de la bière ambrée qui n'en était pas. Donc ce que tu as bu, c'était de la bière ambrée pour eux, tu vois. Et ils nous ont quand même fait payer le tarif qui était écrit dessus, quoi. Voilà. Non, non, c'était pas de la blonde, c'était de la Belfort. Soit disant de la Belfort ambrée. Mais elle était absolument pas ambrée, quoi. Ils se sont légèrement foutus de notre gueule, quoi. Bon, je vais... Ah, merde. La prochaine fois, on commandera un fût de 666. Obligé, quoi. Oh, mais quel con, je me suis arrêté. Bon, entre-temps, c'est pas par là qu'il faut que je passe. Hein. Le chemin, il est là-bas, mais ça paraît pas juste. Enfin, j'ai peut-être une idée de ce qu'il faut faire, mais... je suis pas très sûr. Hop,
Et merde. Putain, on est obligé de revenir transformer là? Sérieux? Il me donne pas d'objet, lui? Il est chiant. Je t'aime plus, le boutiquier. Ah ouais, un fût, j'aurais aimé, moi aussi. Putain. Putain, c'est juste sous mes pieds. Ah, les statues derrière, elles sont en classe. Si je passe par en dessous, là... Eh ben, je meurs, forcément. Bon. Là, je suis en train de jouer comme un cul, parce que je cherche... J'aime pas ces moments où tu tournes en rond. Ça, tu tournes en rond pendant 4 ans pour rien. Alors que la solution est sous les yeux, quoi, tu vois. J'aimerais trop avoir ce pouvoir marcher sur la lave. Putain, j'avoue. Après, de la lave, je sais pas toi, mais moi perso, j'en ai jamais vu, hein, donc. Heureusement, tu me diras. C'est le pouvoir inutile. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme pouvoir dans ta vie? Tu aimerais marcher sur la lave. Mais tu habites à Marseille. Ah. Je prends l'avion. Ouais, mais t'as pas d'argent. Ah. Ben voilà. Non, à ce compte-là, tu demandes comme un ninja. Tu demandes de pouvoir marcher sur les surfaces liquides. T'imagines la classe? Tu peux marcher sur l'eau, sur la lave, sur l'acide. Tu peux marcher sur ce que tu veux, quoi. Trop classe. Voilà, petite impulsion. Les familles. Aïe. Moi, je sais pas c'est quoi le pouvoir que j'aimerais avoir, franchement. Je pense que j'aimerais bien avoir le pouvoir de voler, quoi. De voler ou d'être invisible. Pour aller regarder les filles sous la douche. Par contre, quoi? Tu l'avais acheté, la nouvelle extension de Guild Wars, ou pas? Parce que j'ai un doute. Hein. Je l'avais acheté, la nouvelle extension de Guild Wars? Bah oui, je l'ai acheté, pourquoi? Parce que le jeu me fait comme si on l'avait pas, en fait. Bah si, ma puce. Peut-être qu'elle est pas téléchargée, en fait. Ah, je sais pas. Non, je te l'ai acheté, l'extension. Bah ouais, va voir. Ah non, affirmatif, là. Moi, est-ce que ça soit toi qui l'ai pas activé, mais... T'es en train de me faire peur, quoi. C'est MMF a fini l'extension de Guild Wars. Pas la nouvelle, celle d'avant, elle me dit. Ouais, donc là, j'ai un souci, là, je... J'ai un souci, je peux pas passer dans la zone. Ah non, on peut pas passer là. Bon. Ça m'intrigue. Ah ben ça. Ouais, mais je sais pas si après, justement, avec autant de pouvoir, tu t'emmerderais pas, tu vois. C'est aucune difficulté, rien, quoi. Ou alors le pouvoir que j'aimerais bien avoir, c'est celui de pouvoir contrôler le temps. Ça me ferait triper. Ça me ferait triper parce que du coup, tu pourrais stopper le temps et apprendre comment ça s'appelle, jouer d'un instrument ou du piano très vite, tu vois. Tout le monde dirait, mais putain, t'as appris le piano ou la guitare en 2 jours, quoi. Et en fait, ça fait depuis peut-être
des centaines et des centaines d'années que t'apprends ça en fait quoi. Ça serait énorme quoi. Quoique attends, ça pourrait pas. Je dis de la merde. Je dis de la merde parce qu'en fait j'étais en train de me dire, tu sais, comme dans le jour de la marmotte. Mais sauf que lui en fait il revit en boucle la même journée. Il a pas le pouvoir d'arrêter le temps. C'est tout le. C'est tout le problème. Aïe. Je vais crever pour rien. Bon, j'arrête. Ouais, bon, là, il y a un souci. Je sais pas comment faire. Ah, il y a une pièce qui m'intrigue en bas à gauche. Ah, ben voilà, ça c'est fait. Je passerai le balai dans un immeuble de 30 étages. Ah, ouais, bah en 2-2. En 2-3 mouvements, tu finirais ça, ouais, c'est clair. J'essaie de passer mais n'importe où, mais bien trouver la solution, mais bon. Enfin, des fois, ça passe à un millimètre près. Aussi me brancherai. Après on va éviter le truc genre tirer les rayons avec les yeux, etc. Ça c'est un peu con. C'est autant dire. Mais ouais, il y a deux trois trucs qui seraient sympas quoi. Techniquement avec un simple. Même avec le pouvoir d'invisibilité, techniquement tu peux faire mais tellement de choses, tu vois. Comme avec le pouvoir de voler, tu me diras, hein, mais. Putain, je me prends des dégâts, mais de merde. Ouais, non, on va éviter. Tirer les rayons avec les yeux. Piou, 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 piou. Ouais, non, il y a des trucs plus sympas quand même. Genre contrôler les éléments, ça peut être cool. Comme Storm, tu vois. Ça peut être sympa ça aussi. Ou alors avoir le pouvoir de disparaître et réapparaître dans diverses dimensions, un peu à la Diablo. Ouais, de toute façon c'est simple, j'ai toujours eu deux personnages préférés dans Marvel, c'est Spider-Man et j'allais l'appeler Nightcrawler et Diablo. C'est vraiment les deux quoi. Putain, Diablo quoi, laisse tomber la scène. Hein. Où il va pour assassiner le président, je crois que c'était en X-Men 2, quand il est contrôlé mentalement, et qu'il doit aller tuer le président, quoi. Oh là là, cette scène, il se téléporte partout, c'est la folie. Vraiment, vraiment la folie. Ouais, c'est pas ce que j'avais prévu. Ah, quoi que si, c'est faisable. Yes, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Trop con. Yes. Et ben voilà, on est sur la bonne voie, je pense. On va attendre. Ouah, putain. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête surtout pas. Ouh. C'est chaud. Par contre, le défaut d'être invisible, c'est que tu peux être repéré par ta chaleur corporelle. C'est vrai. Bien vu. Bien vu, bien vu.
C'est vrai, ça me rappelle, putain, ça me rappelle Metal Gear Solid. Je sais pas si avec le la vision nocturne, je pouvais repérer ou pas. Non, que la chaleur corporelle, il me semble. Putain, ça me rappelle les moments où il fallait chercher, comment il s'appelle, Grey Fox, que tu utilisais justement tes lunettes dans la pièce, tes lunettes infrarouges. C'était énorme. Oh, sa chaleur corporelle, monsieur. Il y avait ça, ou alors il fallait utiliser les grenades. Les grenades aussi, ça marchait bien. Tu sais, les grenades... Oh, classe! Les grenades pour la vidéosurveillance, ça marchait. Parce que les paillettes, elles lui tombaient dessus, en fait. C'était énorme. Ah ben voilà, une nouvelle note de musique. GG. La clé du chaos, une création dans la nature pour contenir le chaos sans fin du bas-monde infernal, l'une des clés nécessaires pour composer une mélodie qui brisera la malédiction. Perfect. Suivante, s'il vous plaît. Clutch. Allez, vas-y, au suivant. Par la main guérisseuse de la nature, un messager déchu trouvera la rédemption. Ok. Donc ça sent le boss. J'ai 855, ça devrait aller. Ouais, conseil s'il te plaît. Une marée des champs piquants. Ouais, c'est jouable. C'est jouable, en plus je crois que j'ai le truc pour m'y téléporter très vite. Ouais, je crois que c'est par là. Tac. Meilleure combinaison camouflage optique plus la capacité du caméléon pour faire disparaître la chaleur corporelle. Ça marche, mec. Ciao ciao, bonne soirée, Matt. Ah ben après tu fais le spécialiste en infiltration, quoi. C'est les plateaux torrides. Ah voilà, champs piquants, ils sont en dessous. Je suis en train de me dire. Ciao ciao, bonne soirée mec, à plus dans le bus. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, à plus dans le bus, moi aussi ça me fait rigoler. Tu peux pas comprendre. Mais si cette baraque là, je sais pas ce que c'est vu qu'on est dans le futur. Peut-être qu'en revenant dans le passé, il doit y avoir quelque chose. Christopher te dit bonsoir. Elle aussi te dit bonsoir. Vous avez encore des mots échangés ou c'est bon? L'OST te rappelle celle de Charlie à la chocolaterie, d'accord. Ouais, de quoi, le jeu Game Boy ou vraiment le film ce que j'allais dire, le film C'est vrai que la musique est assez spéciale sur la corde. Et merde, fais chier ce truc. Ding. Ça c'est chaud ça.
Merci beaucoup, mec. Merci à toi. Et je lui dirai, il a Christopher, il a dit félicitations. Elle a dit merci. Oui, parce qu'on est deux, à cette marée, donc, c'est pour ça. Mais ouais, bah après, ne me parle pas de Charlie la chocolaterie, s'il te plaît, parce que je dois être un des seuls mecs sur Terre à trouver ce film complètement odieux, quoi. Je le trouve super malsain et... enfin, il me plaît pas. J'aime pas du tout, quoi. Il y a un truc qui se fait avec les enfants dans le film, enfin, je sais pas, le fait de punir les enfants comme ça parce qu'ils se comportent mal, etc. Enfin, il y a un truc qui me plaît pas, quoi. Je saurais pas te dire quoi. Je pense que c'est l'ambiance un peu trop bonbon, un peu trop gentillé des fois et tout. Ça me... Il y a des trucs qui me plaisent pas. J'aimerais bien savoir s'il y a une deuxième grille ou une troisième grille de lecture au film, tu vois. Ça me plairait assez. Je pense qu'il y a des mecs qui vont un peu plus analyser que moi le film et s'il y a quelque chose qui s'y trouve et qui devrait pas y être, quoi. Alors on en est où? Donc normalement c'est dans la prochaine salle. Ah ben voilà. Ben voilà, ouais, c'est la moine. Non, c'est pas qu'il est assez faible au niveau de l'histoire, c'est que je le trouve malsain dans son scénar, tu vois. C'est un peu ça qui me gêne. Ah ben voilà, on a enlevé la corruption sur la moine. Elle est bonne. Que s'est-il passé? La peur absolue, je... Respirez profondément, très cher moine. Vous étiez sur la prise de la malédiction des Gigants. Que faites-vous ici? Un matriarche papillon était seul et seul. Tout va bien. Et attendez-vous. Combien de temps a passé? Et ce mari, qu'ai-je fait? Hein? Je dois avoir le prophète sans tarder. Hop, ninja. Eh ben voilà. Elle se remettra. Il n'y a jamais eu une messagère plus douée dans l'histoire. Cool. Ok. Donc maintenant que c'est fait, ça... J'aurais dû aller de l'autre côté, prendre le téléporteur, je suis un peu con. Inspirez, expirez, vous allez bientôt accoucher. C'est clair. Tac. Et voilà, ça c'est fait. Encore une énigme de résolu. Bon allez, je pense que je vais arrêter là, je vais sauvegarder. Ça aura fait une petite partie, puis je verrai tant je reprendrai tout à l'heure un peu plus tard après avoir bouffé, tranquille quoi. Allez, salut !